et le groupe Indochine qui va partir en tournée à travers la France. Venez vous asseoir. Dans le groupe Indochine, on est quatre, mais il n'y en a qu'un qui parle. Ben oui. Voilà, c'est celui qu'on a choisi. Alors, Nicole Cornu-Langlois, en deux mots, on peut peut-être représenter ce groupe que, bien sûr, tout le monde connaît. Mais trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et trois nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle. Et le 19-20 voudrait saluer en l'écoutant simplement Freddie Mercury, le chanteur du groupe rock britannique Queen, est mort à la suite du sida. Il avait 45 ans. Une fête incroyable, la France à l'unisson, des bleus, des méjaquets, des centaines de milliers de personnes une fois de plus sur les Champs-Élysées pour assister au triomphe des tricolores, premier champion du monde français de l'histoire en football, eux seuls. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous l'avez compris, un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson, la star planétaire s'est éteinte hier après un... En haut de ce week-end, à Paris, trafic perturbé sur tous les axes autour du Stade de France en raison du concert d'Indochine les vendredis 27 et samedi 21. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition spéciale du journal de 20h que nous consacrerons avec toute la rédaction de TF1 aux suites de l'attentat commis hier contre Charlie Hebdo. Des millions de Français ont observé à midi une minute de silence. Édition spéciale ce matin parce que nous avons appris cette nuit la mort de Johnny Hallyday. Il était 2h44. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. En finir avec le racisme, un slogan brandi devant la Maison-Blanche par ces milliers de manifestants réunis à Washington pour rendre hommage à George Floyd et dénoncer les violences policières. Un anniversaire qu'il souhaite partager avec son public, évidemment. Le groupe Indochine fête ses 40 ans l'an prochain. Et pour l'occasion, il y aura une double compilation, un single et une tournée des stades. Nous avons la chance d'accueillir ce midi Nicolas Sirkis, bonjour. Bonjour. Et Oli de Satt, guitariste du groupe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de venir sur le plateau du RTL Info avec un peu de retard. Bon anniversaire aussi, Nicolas Sirkis, parce que vous avez...